Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 sur Mass Effect. Aujourd'hui nous allons aller voir qu'est-ce que Maligan Saren et essayons de prouver notre innocence et surtout sa culpabilité. C'est parti. Sauvegardons. Avant toute chose. Yep. Ok. Donc là il faut que j'aille voir Fist, je crois. Si je regarde mes quêtes, journal. Éliminer Fist. Enquêter sur sa reine, aller à la tour. Éliminer Fist. Une preuve de la collusion entre sa reine et les guettes. Fist se planque à l'entrée du corps impermiteux des secteurs inférieurs. Il faut que je le tue carrément, quoi. Genre, sans pression. Interroger l'académie, c'est là que vous trouverez si vous souhaitez lui parler. Non mais il y a des quêtes qui se sont déjà faites. Alors que je les ai pas faites. Pourquoi pas? Non mais du coup on va aller voir là où moi je sais ce que c'est, je sais où c'est. On va aller à l'antre du Coras et on va aller voir Fist et on va lui pister la gueule. Il fallait que je la fasse. Ouais, je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux pas y aller directement? Non mais je pense qu'en fait, de toute façon j'ai même pas besoin de prendre d'ascenseur, je crois bien. On va aller directement par là-bas. D'après ce que je me souviens, c'est là. Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'ascension. Et après, je sais plus. Non, faut peut-être pas descendre. Ouais, c'est là. C'est sûr que c'est là. Je veux dire, c'est rouge. C'est de la merde. C'est moche. Donc c'est là. De ce que je me souviens. Alors, ouvrir. Est-ce que tu crois qu'on peut l'ouvrir à distance, genre en mode salut? Non. T'es obligé d'attendre devant la porte. Très bien, c'est excellent. Et c'était par là donc. On va encore se faire attaquer ici ou ça va? On avait. Il nous est tranquille 2 secondes. On va aller attaquer Fist tranquillou. Ça va bien. On dirait que c'est fermé. Ah oui. Fils. Attention, attention. Oh. Ça crève. Ok. C'est pas un fusil à pompe ça. J'ai combien d'armes sérieux? Putain mais t'es sérieux là? C'est quoi ce bouclier de merde là? T'as qu'à pas te mettre devant aussi. C'est une blague. Ouais, je vais tuer si je reste là. Exactement, c'est une très très mauvaise idée. Est-ce que tu peux bouger ton putain de cul? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fils, hein? Putain, il est bien lui. C'est une blague! Surchauffe, surchauffe! Voilà. Donc lui là. Ok. C'est bon, t'es mort? Tu as arrêté de me casser les couilles? Ils sont où les autres cons là? Ah! Il y en a un là. Il y en a encore. Je sais, je sens. Ah, il y en a un haut. Hop. You die, motherfucker. I kill you! Toi, si je pouvais être un tout petit peu plus précis. Vas-y, tu vas y arriver. Hop! C'est une blague. Ah, si, c'est bon, je l'ai eu. Nice. Tout petit peu plus précis, s'il te plaît. Putain, c'est une blague. Allez! Voilà. Bon, c'est pas le top top de la précision, hein, ce jeu, quand même. Dire les hitbox sont assez. Attention! Stop! On bouge plus! On bouge plus! Comment ça on bouge plus? Ok, là c'est le moment où on va prendre le fusil à pompe, je crois. Il est où? C'est ça non? Je crois. Ok.
Putain, c'est de la merde! C'est une blague! Bon, c'est fini, oui? Tenter un override manuel. Ah ouais, ouais, c'est ça là. C'est... Nice! Nice! Tout prendre. Je sais pas à quoi ça sert, mais je prends tout. Ok, les gars. Cours, vol! Wow, 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 wow. Go, go, go! C'est une blague, c'est quoi ce délire là? Je comprends rien, mon gars. Ah, mais il y en avait un juste derrière moi. Il y en avait qu'un. J'ai rien compris, moi. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. Et je reprends ici. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bon, le fusil à pompe, c'est une bonne chose. Quand je peux pas les atteindre avec. Je dirais que c'est fermé. À couvert! Ou pas. Toi, tu meurs. Voilà, très bien. Ah, aussi. Excellent! Excellent! Hâte de bouger, toi. Ah, ouais. Oh, le mec s'arrête de bouger d'un coup comme ça là, c'est pas normal. Voilà, très bien, après un visé, après on verra. Tu vas y arriver, mec. C'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. C'est pas possible. Wow. Putain, mais. C'est pas vrai. Ah, bordel. Ah non, pas lui. Oh, lui. Eh, mais il leur faut deux coups de snipe dans la tronche pour les tuer, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, moi, je te défonce, moi. Lui, je lui tire dans la tête, c'est pas grave, il meurt pas. Peu importe. Bon, ça se passe plutôt bien, plus rapide que la dernière fois, en tout cas. Oh, putain, mais c'est pas vrai! Moi, que je rêve. Poussez-vous devant moi, là. Pourquoi vous voulez que je vise si vous me mettez devant moi? Hein? Une blague. Bon, maintenant on va prendre le fusil à pompe. Hop, on va ouvrir ça. C'est bon. Stop! On ne passe plus! Je te tire dedans là, je suis genre en face de toi, j'ai le truc en plein milieu. Et tu le touches pas quoi, c'est genre, c'est quoi, c'est une blague? Putain, pas possible ça. Tu vas prendre ça. Est-ce que tu comprends pas quand je te dis que tu vas me prendre ça? Vas-y, sors de là pour voir. Voilà. C'est une toile ça? Ah ouais, c'est une toile. Encore un coup et normalement elle devrait mourir. Parfait, parfait, parfait. Où sont les autres cons là? Ils en viennent partout, non, ils sont juste là. Wow, what the fuck? C'est quoi ça? What? C'est pas logique ça. Je l'ai touché, bordel de cul. Toi, tu vas crever, toi, hein, moi je te le dis, moi. Tu vas crever. Ils en viennent partout. Voilà, très bien. Attendez, ne me tuez pas, je me rends. Ouais, j'ai besoin d'infos. Où est la carienne? Elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Il ment. Tu as 3 secondes pour tout déballer. Ensuite, j'ouvre le feu. Elle n'est pas là, elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. Impossible. Le courtier de l'ombre ne traite que par agent interposé. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne. Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas.
Je lui ai dit que j'arrangerai une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Saren qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, je suis pas dans la ruelle. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Est-ce que je le tue? Non. Pas de temps à perdre. Allez. Et ne vous en faites pas, vous ne me reverrez jamais. Ouais. De toute façon, si je te revois, t'inquiète pas que je vais te buter, donc... juste gaffe à ce que tu fais, quoi. Allez, un petit override pour le fun. On va attendre le bon moment. Ah, putain de merde. Parfait. Tout prendre, je sais pas, moi, je prends des trucs, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, ça peut servir, toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Journal, carte de la zone. Carte de la zone? J'ai déjà la carte de la zone. Près des halles. Et c'est où les halles d'abord, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'en putain de sache? Sérieux quoi. Tiens, je l'ai pas pris ça tout à l'heure du coup. On va faire ça en rapidement. Est-ce que tu peux tourner un peu plus vite ou non? C'est pas possible. Hop là. Très bien. Tout prendre. Tout prendre, tout prendre. On s'en fout, on est des fous. Près des halles. Mais c'est où les halles? Je sais pas. Putain, il y a des ennemis encore partout là. C'est une blague. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Rapide avec ça quoi. Faut pas que je lui tire dans la tête là ou comment ça se passe ta vie là? Putain, c'est pas vrai. En position de tir. Pas crever s'il te plaît. Merci. Putain. C'est portable. Hein. 2 minutes. Ah, mais j'ai du temps. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille, les gars. C'est sérieux. C'est pas là, non. C'est pas là. C'est pas là non plus. Mais alors, c'est pas où? C'est pas vrai. Elle va crever, hein. Sûr. Sûr qu'elle va crever. Si je sais pas où aller, elle va crever. Ça se trouve... Bah non, il n'y a pas d'autre chemin ici, hein. Je suis obligé de partir par là, quoi. Attends, j'ai loupé un truc ou c'est moi? J'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Oui, non, je peux pas passer par là. Concrètement, mais si je peux. Grosse blague! Et c'est où les halles? Hein? Quelqu'un peut me dire où c'est? Parce que moi, j'en sais rien du tout. Hein. Ah, c'est là. Vous l'avez avec vous? Très bien. Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Bien joué, l'ami. Ok, c'est la fuite. Qu'est-ce que tu fais? Ah, restez comme ça, je vais crever, moi. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Ah, ne vous inquiétez pas pour Fist, il l'a bien mérité. Alors je vous suis doublement redevable. Qui êtes-vous? Un ami. Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Saren est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang. Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Les bureaux de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. C'est quoi cette musique qui a rien à voir avec le jeu là? Ce jeu est... Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une carrienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Vous vouliez une preuve de la trahison de Saren? La voici. Vraiment? Yep, yep. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoran Arraya. Nous voyons peu de cariens ici.
Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Ouais. Un pèlerinage? Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Donc ils vivent sur des vaisseaux tout le temps. Nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelque chose de valeur? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. Sympa, ça. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Sympa. Quel genre de preuves avez-vous trouvé? Comment l'avez-vous obtenue? Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du sol. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert? La majeure partie du noyau avait été effacée. S'en fout ce que je dis. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Le canal. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seul. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. C'est eux qui ont créé la balise, d'ailleurs. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéens se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ça ne va pas être facile à présenter. Ils risquent de ne pas en tenir compte. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Ouais, c'est une preuve audio, ils vont dire le genre, capitaine ouais, a raison. Rien. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Ouais, bah ouais. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission? Saren menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Chaud. Bonne volonté, ça ne se refuse pas. Je suis chaud. Remplacer l'autre, Kaiden. Merci. Là. Moi, je veux les extraterrestres dans mon groupe, moi. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Kaveli. C'est elle. Ah, voilà. Du coup, je vais prendre les deux. Moi, je veux de la mixité culturelle dans mon groupe, les gars. Je vous préviens. Nice. Même si, bon, au final, ça sert pas à grand-chose, mais... C'est pas grave. De toute façon, je suis tout seul. Pas du tout. Surtout, je comprends pas grand-chose. C'est surtout ça, la question. Alors. Journal. Citadel Balémas. Retourner à la tour. Citadel Vrex. Parler à Vrex. Est-ce qu'on va parler à Vrex d'abord? Ouais, je pense qu'on va lui parler parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez d'infos pour le conseil. À mon avis. Voilà. L'académie du SSC. Où est l'académie du SSC? C'est une bonne question. Commando. Cool. Fusil de précision déverrouillé. Ah, finally. Cool. Je vais pouvoir... Cool ça. Nice. Wow, buddy.
Monsieur Poteau. Digitage. Hop, Monsieur Poteau. Tire d'élite. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Journal, j'ai des trucs en plus. Oui, mais ça, j'ai vu ça. Affectation. Qu'est-ce que c'est ? Trouver un DSO contenant des formations sur les activités illégales des fistes. Probablement probable. C'est quand même des veilleurs. C'est genre les mecs, les quêtes secondaires, ça. On verra plus tard pour les quêtes secondaires. Équipement. Oh là là, mais c'est compliqué ça. Je sais pas moi, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien qui me sert là. Enfin, j'ai pas l'impression. Du coup, on va tout faire en omnigel. Hein. Peu importe. Je sais pas quoi ça sert d'ailleurs, l'omnigel. En parlant de ça. Alors, moi, ce que j'aimerais trouver par contre, c'est. Ah, tiens. Un pistolet qui fait plus de dégâts, mais qui a moins de taux de précision. Ah non, c'est le fusil à pompe. Donc on s'en fout. Alors, remarque, tout à l'heure j'étais juste en face du mec et au final je suis mort comme une grosse merde. Quoi. Je pense que je vais prendre celui-là. On va équiper ça et on va tout foutre en omnigel pour le reste. Même si je ne sais pas vraiment à quoi ça sert actuellement. C'est pas grave. On va faire avec. Yep. Pistolet, j'ai rien, fusil de précision. Oh, j'en ai d'autres. Ah, nice. Taux de précision 25, 25. Oh, c'est bien de la merde quand même. Reaper 2, joint 2, c'est les mêmes. Aïe 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 aïe. Ça fait quand même vachement plus de dégâts en soi. On va équiper ça. On va juste garder. Ça, c'est celui que j'avais. Ouais, c'est ça. Bon, celui-là, on le vire parce qu'il sert à rien. Hop. Et celui-là aussi parce que j'en ai deux. On va donc équiper ça, fusil de précision, très bien, avec ça. Et j'en ai pas d'autres, des trucs là. Si, j'en ai plein d'autres. Oh là là là, mais ça va être compliqué ça. Oh là là, trop de trucs, trop de trucs. Bon, pour l'instant, je peux faire 100. Hein. Je vais pas vous casser les couilles avec ça. On verra ça plus tard. Ouais. On verra ça plus tard. Codex. Ouais, trop de trucs. Trop de trucs, trop de trucs. Bon. Alors du coup, il faut que j'aille au SSC, là. QG du SSC, ben, c'est là. C'est là ? Enfin. Qu'est-ce que quoi ? C'était Brex. Il est interrogé à l'académie du SSC. Ah non, c'est l'académie du SSC qu'il faut que j'aille. Ce qui veut dire que c'est pas là. Mais où est-ce ? C'est une bonne question dont je n'ai pas du tout la réponse. Du coup, on va se balader tout simplement. Je crois que je peux aller voir l'autre là, la meuf. Peut-être que c'est par là. Oh, c'est quoi ces trucs? Non, ça c'est les bureaux, on s'en fout. Le seul endroit où je peux aller ici, c'est au final. Ah, attends, il y a plein de trucs là aussi. Salon des ambassadeurs, académie du SSC, tour de la citadelle, bazar, quartier des favorites. Bon, peut-être qu'on va aller voir Avina. Avina, peut-être qu'elle va pouvoir nous dire. Elle est où déjà? Non, c'est ça d'où je viens. I'm stupid and I do it. C'est pas grave. J'aime bien quand ça s'ouvre automatiquement, c'est pas mal aussi. Ça me plaît bien. Je peux lui parler à lui. Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez... Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Que voulez-vous ? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer. Mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. On s'en occupe. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière Bosker. Fois que je l'ai vu, il était dans Monsieur le parc Bosquet. Là-bas. Merci, merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Très bien. D'autres quêtes? On accumule les quêtes, tout va bien. Tourisme numéro 1 du Présidium. Oui, vous trouverez ici de nombreux centres d'intérêt, parmi lesquels les ambassades de la citadelle. Moi, je cherche l'académie du SSC, tu comprends ce que je veux dire? Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Le SSC... Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle.
La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un Turien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Donc tu m'aides pas du tout, tu m'aideras jamais toi en fait à trouver mon chemin, c'est très bien, je suis complètement perdu, tout va bien. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Ok, où est-ce que tu peux m'emmener toi ? Site du Présidium, site des secteurs. Infirmerie, l'entrée du Coras, non. Site du Présidium, tour de la citadelle. Il n'y a pas d'académie du SSC, c'est quoi cette connerie là ? Vas-y ! Ça me saoule ! Requête du reporter. Mais ça c'est les affectations, je m'en fous. Citadelle, un chasseur de primes Krogan nommé Vrex. Oui, c'est lui que je veux voir à la cité, mais sauf que je sais pas où c'est l'académie. Du coup, tant pis, retournez à la tour de la citadelle. Bon, mais écoutons vers ça, peu importe. Peut-être que j'aurai accès plus tard dans ma vie. Site du Prévisium. Tour de la citadelle. Allons-y. Ok, on va essayer de prouver l'innocence, la culpabilité de Saren. Est-ce que ça va marcher ? Vite ! Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Ils sont pas trop. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Venezia. C'est qui ça ? Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Venezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Sa reine joue là-dessus ou sa reine veut les faire revenir ? Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Ah, je suis d'accord avec elle. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Je les ai vus. Qui, les moissonneurs ? Ah oui, avec ses visions. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître enfui pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. Faites la guerre avec sa reine. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. C'est un peu... Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de sa reine.
Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter Saren qui ne requiert ni flotte ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. J'ai affronté Saren sur Eden Prime et je l'ai démasqué. J'ai fait mes preuves. Ouais, d'abord. Faites-moi un spectre, allez, ça y est, soyez sympa. Donnez-moi les pleins droits. Commandant Shepard, avancez. Ouais, je suis un putain de spectre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air cool. Remise de diplôme. C'est-à-dire quoi que je veux Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. Et merci, grand honneur. Ouais, tout de même. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du conseil est close. Cool, ça y est, j'ai plein droit. On va pouvoir foutre le bordel un peu partout. Génial. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Ah, peut-être que finalement je vais pouvoir accéder à l'académie. Venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Ça, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai une mission, moi. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Il doit être très préoccupé. Allons-y. Je vous suis, Shepard. Yes! Charme et intimidation déverrouillés. Cool! Ah, c'est cool! Bon, et bien du coup, maintenant que j'ai les pleins droits, on va pouvoir continuer l'histoire et atteindre nos objectifs un peu plus facilement. Et peut-être avoir encore plus de trucs à comprendre aussi, éventuellement. Bon, c'est pas grave. Passons. Du coup, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, tchuss!